Pouvoir dissocier la voix d'une musique facilement et gratuitement. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme internet qui se nomme lalal.ai. Il s'agit donc d'un site internet qui te permet globalement de séparer la voix et la musique, le côté instrumental. Donc si jamais, que ce soit pour un projet perso, que ce soit pour des gens qui adorent la musique, eh bien des fois ça peut paraître assez important de pouvoir dissocier ces deux choses-là. Avec une technologie quand même assez poussée qui te permet de manière agréable d'écouter juste le côté instrumental ou de garder juste la voix, et bien par exemple d'une musique en question. Alors c'est vrai que c'est un sujet assez spécifique, hein, assez poussé dans un domaine. Moi ce qui m'intéressait aussi beaucoup c'était la technologie qui embarquait, parce que on a le site, on va, et c'est ce qu'on va voir avec le live, et bien on va directement mettre l'audio sur leur site internet et en quelques secondes globalement il va découper et mettre l'audio, si tu veux, la partie instrumentale et la partie voix de deux côtés, et tu peux les télécharger en haute définition. Donc vraiment c'est super sympa et je pense que ça peut en tout cas dépanner plus d'un. N'hésite vraiment pas à checker ça, en plus de ça c'est gratuit. Et donc on se retrouve sur mon bureau pour tester ça. On va donc prendre une musique que j'utilise pour mes vidéos no copyright et on va prendre la voix d'une de mes vidéos, voilà, que j'ai déjà, on va dire, fait un peu de montage dessus. Alors ici ce qu'on va faire c'est tout simplement, on va ouvrir le logiciel de montage vidéo et on va superposer tout simplement, et eh bien, les deux fichiers audio. Voilà, donc on aura la musique avec ma voix, donc comme tu peux entendre en fond. Donc ici la musique et là on va mettre la voix. Voilà. Et donc ici t'entends. Et aussi avec un système de cashback plutôt intéressant. En globalement, plus de ça, eh bien, la qualité est plutôt bonne. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Après c'est pas non plus une qualité hyper bonne, mais ça va nous permettre de tester un petit peu la plateforme. On va donc mettre sur dans le logiciel de montage vidéo, on va faire donc notre petit montage où on va donc superposer ces deux séquences et on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc sur leur site internet, extraire des pistes vocales et instrumentales de n'importe quel audio. Le lien est dans la description comme je t'ai dit si jamais. Donc à droite c'est très simple, télécharger ou déposer un fichier audio. Tu vas avoir, si tu veux, la qualité de ça, bénin, ordinaire ou agressif, donc plus ou moins comment il va extraire et différencier la partie instrumentale et la voix. Donc ça c'est à toi de voir en fonction du mode, nous on va rester sur le mode normal. Donc ici qu'est-ce que lalal.ai, vérifier la qualité par vous-même, on fera ça juste après notre test pour voir un peu eh bien comment c'est fait depuis une vraie musique de bonne qualité, parce que c'est vrai que ma voix bah c'est pas non plus la meilleure qualité possible comment j'enregistre. Donc voilà, donc globalement c'est plutôt simple, on va rester comme je t'ai dit sur ordinaire, hein, sur vraiment le normal. Après on aurait pu passer en agressif, comme ça il aura vraiment trancher le truc et aurait plus coupé. Donc on va prendre ici la production, on va donc l'uploader en fonction de ta connexion internet, c'est plus ou moins rapide, franchement moi c'est assez rapide. Et donc ici c'est en traitement, c'est à dire que là globalement il a analysé le fichier, il l'a téléchargé en tout cas sur le site internet, il l'a uploadé et puis là il va donc analyser ça et il va séparer, voilà, la partie instrumentale, ce qu'on a fait nous dans le montage juste avant très rapidement, et la partie voix. Et en fonction de la qualité du fichier source, ça c'est très important, moi c'est de qualité moyenne, voilà, j'ai envoyé, et bien on va pouvoir écouter le résultat et comment il aura séparé tout ça en fait, simplement la partie musicale, instrumentale et la partie vocale, voilà, comme on pourrait le dire. Donc on est déjà à 65, 66, 67, 68%, donc ça va être assez rapide. On va attendre quand même en live vraiment pour te montrer la rapidité. Moi j'étais assez surpris. Après, je pense vraiment que ça peut vraiment dépanner. Et c'est vraiment un site internet qu'il faut mettre dans tes favoris, si jamais. Et voilà, de l'avoir de côté. Moi, en tout cas, je m'en rappellerai de lalal.ai. Mais ça, c'est important. Donc, file preparation. Donc, en préparation, on attend. Et donc, on aura les deux fichiers. Voilà, ici. Donc, c'est en train de se charger. Avec le petit logo pour le téléchargement. On peut soit télécharger le vocal, comme c'est marqué, ou l'instrumental. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter tout simplement. Donc là, hop, le petit logo pour télécharger. Et on met le vocal. Une carte gold facilement et rapidement. Et aussi avec un système de cashback plutôt intéressant. En plus de ça, 80€ sont offerts. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. J'ai pu te présenter énormément de cartes de paiement sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc j'ai mis 15 secondes. On va mettre aussi 15 secondes de la partie instrumentale.
me sens. En partant vraiment, on va dire, d'une qualité moyenne hein, que j'ai produite rapidement en amont dans le montage, et bien franchement c'est plutôt propre. Voilà, c'est vraiment propre entre le vocal et le côté instrumental. Je préfère le côté instrumental, la musique, voilà, mais vraiment c'est très propre. On a aussi à droite le petit chat si jamais tu as une question à leur poser, tout simplement, tu peux leur poser. Et en globalement, 24 heures, tu as une réponse. Alors ce qu'on va faire là, on va donc passer maintenant pour écouter tout simplement la séparation avec leur logiciel, tout simplement leur algorithme, d'un fichier vraiment de bonne qualité et voir comment ça fonctionne avec un fichier vraiment, on va dire, de haute qualité. Voilà, donc on va donc mettre en play et ça va durer un petit moment, on va laisser 15-20 secondes. Donc ici, il s'agit de la piste, hein, c'est en cours. Ça, c'est la musique de base originale. De très bonne qualité, hein. Voilà. I was lost in a reverie, your senses design. For a touch of humanity. Voilà, donc 25 secondes, on met pause, donc c'est plutôt cool. Là, on met l'instrumental. On est à 20 secondes et on sent que l'instrumental, tranquille. Après, en fait, l'instrumental démarre et la voix, elle commence bien après. On met le vocal et là, on peut voir vraiment avec la technologie, ça a vraiment très bien séparé. Mais le fichier de source était très très bonne qualité aussi. Donc là, il n'y a pas de voix et la voix, elle commence après. Donc comme on peut voir, franchement, ça passe bien. I was lost in a reverie. Your senses design. Voilà, 25. Voilà, donc vraiment intéressant. Après, c'est vrai que c'est là où c'est important, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, les gens qui sont passionnés de musique et qui s'y connaissent aussi, ils ont aussi des très bons formats et puis la qualité du son est rien à voir avec ce que moi j'ai produit de mon côté, avec le résultat qu'on a eu, mais qui était vraiment plutôt positif je trouve. Après sur leur plateforme vraiment ils mettent une musique de très bonne qualité et c'est vrai qu'avec la technologie bah, ça arrive vraiment à bien séparer je trouve l'audio. En tout cas la partie instrumentale avec la partie vocale. En tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter cette plateforme aujourd'hui. N'hésite vraiment pas à aller checker le site, surtout à le mettre dans la barre des favoris. Vraiment ça peut toujours servir, lalal.ai. Voilà, en tout cas note-le quelque part parce que je pense que ça peut vraiment être un logiciel qui peut te servir un jour et qui peut vraiment être intéressant ou vraiment tous les jours de façon occasionnelle pour les gens qui sont dans la musique et tout. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.